Les candidats de Miss First Suite Lady Nord répondent à nos questions. Donc sur Radio Salaz. Aujourd'hui, nous avons la candidate Daniela. Huguette Bello. Huguette Bello, alors, on ne parlera pas trop de politique, mais pourquoi? Non, pas trop de politique. Mais justement, ben, c'est parce qu'elle défend la femme. Je vais m'arrêter là. D'accord. Et puis, si nous pouvions parler d'une actualité récente et que l'interpelle à où, Daniela? Alors, une actualité récente, oui. Donc, il y en avait un très troublant, celui du petit Mathéo, du Théo. Comment il s'appelle, Théo? Théo, il semble à moi. Théo, voilà, qui a été retrouvé sur la plage, là. Trop émouvant. Par rapport à cette actualité, est-ce qu'on est là, voilà, un truc à dire là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça normal et par rapport aux immigrés Non, ben justement, c'est pas normal. Surtout pour les petits-enfants comme ça, voilà, les adultes, ils ont quand même leur part de responsabilité. Et donc, là, nous rappelle Daniela Hubert, donc elle habite à Saint-André. Oui, par rapport à ce concours Miss Pursuit Lady, d'ailleurs, c'est quoi ce concours et ou définition à où de ce concours? Alors, pour moi, ce concours, c'était vraiment pour me montrer moi-même, pour ma confiance en moi-même. Donc, je me suis présentée à cette élection, et aussi pour faire plaisir à mon mari. Et du coup, j'ai vu qu'il était fier. Il est venu me voir, et ça, c'était la plus grande fierté. C'était peut-être une surprise aussi pour lui, hein? Une surprise aussi pour lui, c'est sûr. Et puis, il faut rappeler, Miss Pursuit Lady, c'est pas un concours comme les autres, parce qu'il y en a beaucoup de concours qui surgissent de part et d'autre à La Réunion, et il est difficile de se positionner, mais celui-là, on peut dire que voilà, il est tellement différent des autres qu'il est facile à repérer. Donc, Pursuit Lady, pas forcément de... voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un corps très, très fort. Pas de mensuration spéciale, voilà. C'est ouvert à tout le monde. Qui aimerait s'ouvrir aux autres. Et surtout, on a des valeurs, et des valeurs que vous voudrez défendre. Ouh, et est-ce qu'on aurait quelque chose, voilà, si imaginons ou gagne ce concours-là, Kosovo aimerait défendre une cause qui tient particulièrement à cœur? Ben moi, j'aimerais bien, enfin, surtout dans l'entraide, pour aider dans les associations, des trucs comme ça. Peut-être des associations d'animaux, mais on entend le chialer hier. Il y a des animaux chez moi, oui. Et puis, pour terminer, on va dire, ce que vous pensez des femmes d'aujourd'hui en lien avec la journée des droits de la femme, ce que vous pensez des femmes d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que là, il y a eu une évolution par rapport à avant? Les femmes de maintenant, ils ont un petit peu évolué, oui, mais il y a encore du travail à faire. D'accord. Et puis, pour terminer vraiment, on est une chanson, dommage, m'a oublié de demander à la première participante de citer voilà, une chanson que nous donne Azote, voilà, comme un cadeau. une chanson que vous voudrez écouter pour terminer. Donc pour moi, ce sera la dernière chanson de Dominique Barry. Saisis à l'amour, ça. Mais ça pour chéri, ça. Tout à fait, spéciale dédicace pour mon mari, Jean-Marc. En tout cas, merci beaucoup et on te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Faire de sa vie mon existence. Sans chercher la raison, on peut gagner à ce jeu-là. L'aider, jeter dès à présent, à pleine main, du bout des doigts, saisir l'amour à chaque instant.
combien de temps, pour toujours à jamais, ici et maintenant, j'aimerais bien l'aimer. Tant pas d'autres circonstances, aujourd'hui c'est un jour de chance. Entre l'espoir et l'espérance, saisir l'amour dans le bon sens.